voilà, on est posé sur la plage de Cicatela, à Puerto Escondido, au Mexique. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu du dispositif qu'on avait mis en place avec Nicolas, mon associé, sur les 400 coups pour travailler 5 minutes par jour et gagner l'équivalent quasiment d'un SMIC par jour aussi. On t'aura les datas un petit peu à la clé, c'est l'objectif de la formation qu'on propose aussi. Donc la stratégie qu'on a mis en place, elle est très simple, ça s'appelle du dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Pour faire simple, c'est avoir vendre des produits en ligne que tu n'as pas. Alors pour te permettre de mieux comprendre, je vais te décrire un petit peu l'expérience utilisateur. En fait, toi, tu as un shop en ligne sur lequel tu vends des produits qui sont sur une niche. Une niche, un ensemble de personnes qui se ressemblent, on va voir pourquoi. Tes clients viennent sur ton site internet, choisissent tes produits, achètent directement tes produits, donc te payent. Une fois que toi t'es payé, t'achètes directement tes produits chez ton fournisseur, notamment en Chine, qui va les envoyer gratuitement à ton client. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est top dans cette stratégie là, c'est que t'as pas besoin d'avoir la marchandise, t'as pas besoin de gérer la logistique, et ça te demande un investissement de, nous on a commencé avec $69 quoi. Clair, le e-commerce plus 2-3 outils qu'on utilise pour pouvoir automatiser un petit peu tout ça quoi. Donc voilà, aujourd'hui ce dispositif il cartonne, il est en train de cartonner. On est passé de 100€ de chiffre d'affaires par jour à, on est monté jusqu'à 2150€ par jour en 6 semaines. On est arrivé à, on est, je crois, à plus de 17 000€ de chiffre d'affaires, à savoir qu'on a une marge bénéficiaire de 50% dessus. Et qu'en plus de ça, les produits sont hyper concurrentiels. Alors trois choses, sont hyper concurrentiels, n'importe quoi. On a une des propositions commerciales qui sont hyper avantageuses, on est même moins cher que sur Amazon. Avec la livraison gratuite, bien évidemment. Donc il y a trois gros conseils que je pourrais te donner si tu mets en place ce dispositif là. Le premier conseil déjà, c'est de travailler dans une niche. Nous, notre niche là, c'est les coiffeurs et les clients des coiffeurs. Aujourd'hui, travailler dans une niche, ça va être beaucoup plus simple parce que tu vas savoir exactement à qui tu t'adresses, à qui tu parles. Il va falloir que tu fasses une analyse justement de ce qu'on appelle les personas, qui sont en clair, qui sont tes clients types, afin de savoir ce qu'ils recherchent sur internet, ce qu'ils lisent comme magazine, ce qu'ils écoutent comme musique, et surtout, le plus important, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois une start-up ou que tu vends en ligne, il faut arrêter de penser uniquement en termes de produit. Ton produit est juste une solution à un problème que rencontrent tes clients. Et ils vont acheter, en fait, ce qu'ils vont acheter, c'est juste la valeur générée par ton produit. Ça veut dire combien ils sont prêts à mettre pour ne plus avoir ce problème-là dans leur vie quotidienne. Donc, pour pouvoir trouver la bonne adéquation entre le produit et la cible, il faut vraiment que tu te concentres sur une niche. Ça sert à rien. Nous, on a fait des tests au départ. On a fait un autre test en parallèle du shop du coiffeur sur un shop qui s'appelle Anna Banana, qui propose des bijoux. C'est beaucoup plus large. Alors, ça peut être super. Tu peux te dire, ouais, putain, plus je prends une cible large, plus du coup, en plus, si je le vends dans le monde entier, je vais avoir un potentiel de croissance et donc des bénéfices qui vont être importants. Mais le problème, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué de développer une communauté, d'engager une communauté quand elle va être super large. Parce que du coup, tu vas avoir besoin d'avoir un discours qui va être beaucoup plus diffus et beaucoup moins impactant. Là, nous, on travaille sur des coiffeurs. Les coiffeurs, Nico, sa femme a un salon de coiffure et ça fait 5 ou 6 ans qu'il travaille justement avec des coiffeurs, notamment sur les parties de communication, et qui savent du coup exactement ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, comment ils pensent. Et d'ailleurs, qui va arriver du coup à mon deuxième conseil, quels produits ils vont rechercher. Là, pour te dire, et ce projet-là, c'est là où il a été super enrichissant en termes d'apprentissage pour nous, c'est que sur les 17 000€ générés là en 45 jours d'activation, 90,8%, faudra regarder, je vais quand même checker les données, mais c'est dans ces ordres-là, du chiffre d'affaires a été généré sur un produit qui est une brosse qui t'élimine les pointes. En clair, tes cheveux morts, c'est pas trop moi le spécialiste encore une fois sur ça. Moi, ce que je sais juste, c'est que 90% du chiffre d'affaires a été généré par ce produit-là. Donc ça sert à rien d'avoir une multitude de produits, il suffit juste de trouver le bon produit qui va rencontrer sa cible en fait. L'adéquation, elle est uniquement sur ça. Le fait de connaître notre cible, nous, ça nous a permis de dépasser là, on est quasiment 1,9 million de vues sur la vidéo. Alors c'est pas une vidéo de vente, mais la vidéo qui présente le produit. D'ailleurs, tu verras que c'est une vidéo qui est absolument pas pro dessus, parce que encore ça part du postulat que nous sur la niche qu'on travaille, donc du coup les coiffeurs,
pour créer de la confiance, il faut leur parler avec les mots qu'ils utilisent, il faut leur montrer des choses qu'ils ont l'habitude de voir, où on les a l'impression que ce soit des coiffeurs qui l'ont fait pour eux et non pas une agence de com et donc dans ce cas une grosse marque dessus. Et ça, je pense que ça a vachement joué. On est passé de 0 à 15 000 maintenant, on est à plus de 15 000 fans en 45 jours d'activation. Et ça, je crois, uniquement avec 15 euros de budget marketing Facebook dessus. C'est quasiment rien. Je crois qu'on touche aujourd'hui à la semaine plus de 2 millions, 3 millions de personnes sur notre page Facebook. Autant te dire qu'on trust tout le marché dessus parce que tu pourras aller voir du coup, un, sur le show du coiffeur, donc l'adresse c'est http://www.leshopducoiffeur.mashopify.com et sur le show du coiffeur sur Facebook pour voir un peu les posts qu'on propose. Alors ça peut te paraître hyper superficiel comme post dessus, par contre c'est pas ce que les coiffeurs veulent, mais c'est ce qui génère de l'engagement auprès des coiffeurs dessus, parce que ça doit être bien ça le terme de, ça va être mon troisième conseil, le but de ta stratégie de communication et de la manière dont tu dois engager ta communauté, c'est hyper simple, faut que tu gardes ça ancré dans ta tête. Ton but, c'est de t'inscrire dans le quotidien de tes clients. Pourquoi tes clients, ils vont perdre du temps à aller voir ton contenu sur Facebook? Alors, tu peux avoir plusieurs types de contenu. Ton contenu, il peut être à titre informatif. Tu leur apporter une information qui vont les aider dans leur quotidien ou qui, à la limite, qui vont les aider à utiliser le produit. Ça peut être du contenu qui va être ludique, donc quelque chose qui va les divertir, ou ça va être un contenu qui va être plus promotionnel sur lequel tu vas accorder une promotion sur un des produits. À savoir que le but, c'est vraiment de varier. Nous, on conseille de mettre en 70% quasiment de la communication, voire 80% de la communication qui soit pas orientée au niveau des produits, mais qui soit plus orientée autour de la culture que propose ta marque ou la culture autour de tes produits là. Ça sert à rien de bourriner en termes commercial. Nous, on part du postulat aussi qu'il faut commencer à donner avant de vendre. On va te montrer justement dans la vidéo de formation qu'on propose comment on a trouvé nos 100 premiers clients en 4 jours avec 30 euros de budget. Et tu vas voir, alors ça peut paraître complètement fou comme ça, mais regarde aujourd'hui ce qu'on génère comme chiffre, c'est juste un truc de fou. Et encore une fois, la croissance, ça a été du jour au lendemain où on a fait quasiment tout notre chiffre sur deux produits en fait. 90% c'était sur la brosse, les 10%, on doit avoir 8% restant sur un autre produit et le reste étant sur les produits annexes. Donc ça sert à rien de penser en termes de multitude de produits dessus, il faut juste que tu trouves encore une fois la bonne adéquation produit cible, donc tu travailles dans une niche et que tu te mettes vraiment à la place des clients, qui fassent preuve d'empathie pour essayer de savoir comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent pour arriver à créer de la confiance, et surtout l'engagement. Là, nous, nos ventes, elles sont indexées sur les commentaires. On avait à peu près un commentaire toutes les 10 secondes et on devait tourner à 3 ou 4 ventes par heure. Tu verras, j'ai fait des screenshots parce que ça m'a amusé sur les notifications sur Shopify. Donc voilà un petit peu pour ça. Tu peux nous retrouver directement sur Facebook, sur YouTube ou sur Insta pour suivre les prochaines vidéos. Voilà, à très vite depuis le Mexique. Salut.